tamarin qui a été planté hier. Qui les a mis à l'écart, c'est eux, mais c'est le village. C'est, ah ouais. C'est le village qui met à l'écart. Et ils sont toujours mis à l'écart. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Alors on est ici à peu près 80 km de Pondichéry. En gros, on est entre Pondichéry et Chennai, qui sont les deux pôles de ma circonscription. On est dans un village qui s'appelle Latour et qui a comme particularité d'avoir une toute petite partie de la population qui ne sont pas des Tamouls, mais qui sont ce qu'on appelle les tribus autochtones, les Adivasi. Ici, c'est une tribu qu'on appelle les Irular, et qui sont en général des populations qui souffrent beaucoup plus du sous-développement, qui sont en marge souvent de la société, et qui en plus sont dans bien des cas, et c'est un peu le cas ici, ostracisés par le reste de la population, rejetés. Cette partie ici, qui était la partie traditionnelle d'habitat, est une partie qui a été volontairement mise hors du village. Ici, le ministère des Affaires étrangères a fait un don de 30 000 euros. Et ces 30 000 euros ont permis de construire 14 maisons en dur. C'est un programme qui est passionnant parce que, d'abord, il associe tous les acteurs de la coopération et du développement. Il associe les régions françaises, il associe le gouvernement français à travers le ministère. Il associe aussi les responsables politiques locaux, ce qu'on appelle les panchayats, qui sont un petit peu les équivalents de la mairie chez nous, qui sont des conseils de village. Et puis les ONG qui sont actives. Attendez avant d'applaudir. Voilà. Comme ce programme bénéficie d'un soutien du ministère des Affaires étrangères, il est de ma responsabilité non seulement de représenter le ministère le jour de cette inauguration, parce que je crois qu'il est important de montrer à ces populations que la diplomatie, ce n'est pas quelque chose qui se joue un petit peu confiné dans les capitales, entre les grands du monde, mais la diplomatie, elle a un champ d'action très très large et elle aussi un champ d'action plus particulier dans le domaine du développement et de la solidarité.